les annonces régionales des investissements en infrastructures scolaires, avec Mme Lise Thériault, la vice-première ministre, ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, ministre responsable de la condition féminine et ministre responsable de la région de la Nautière. Mme Thériault. L'éducation, c'est vraiment la voie privilégiée pour construire l'avenir d'une société. C'est pourquoi notre gouvernement en a fait sa priorité. L'investissement d'un demi-milliard de dollars dans les infrastructures scolaires qui a été annoncé le 18 août dernier par mon collègue Sébastien Proulx démontre toute l'importance que nous accordons à l'éducation. Il prouve que nous sommes déterminés à offrir les meilleurs services, les meilleures conditions d'apprentissage et d'enseignement aux élèves du Québec. En effet, le ministre a annoncé un investissement cet été de plus de 553 millions de dollars qui servira à agrandir ou à construire des écoles. Et je précise qu'il s'agit du plus gros montant jamais annoncé pour des projets en ajout d'espaces dans notre réseau scolaire. Vous me permettrez une parenthèse pour dire que si nous sommes capables de faire de tels investissements, c'est grâce à la saine gestion des finances publiques. Après deux budgets équilibrés consécutifs, notre gouvernement a dégagé le plus important surplus des dernières décennies. Nous avons maintenant la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans les véritables priorités des Québécois, l'économie, la santé et l'éducation. En réinvestissant massivement dans notre système d'éducation, ce qu'on veut, c'est favoriser la réussite éducative de nos jeunes. Donc, on veut faire en sorte que nos écoles primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle et les écoles spécialisées soient des milieux de vie plus attrayants et plus stimulants, surtout que chaque élève y trouve sa place, y compris les élèves handicapés et ceux qui sont en difficulté d'apprentissage. Pour bien accueillir les élèves et leur donner des meilleures chances de réussite, les écoles doivent être en bon état et compter un nombre de classes suffisant. Par ailleurs, il est important d'évaluer les besoins de chaque région, ville et municipalité en fonction des changements démographiques. Alors que certaines commissions scolaires ont un nombre d'élèves stable, d'autres, comme la commission scolaire des affluents et celle des Samars, connaissent une augmentation de leur effectif scolaire. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de réserver une somme importante dans le Plan québécois des infrastructures 2016-2026 pour la construction, l'agrandissement, le réaménagement d'écoles existantes, la rénovation ainsi que l'amélioration d'établissements d'enseignement. Donc, je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui l'attribution d'un soutien gouvernemental de près de 60 millions de dollars pour la région de la Nautière. 60 millions de dollars sur 553 millions pour le Québec, c'est plus de 10 % de l'enveloppe qui a été réservée à des projets ici, dans la Nautière. Donc, oui, ça vaut vraiment une bonne main d'applaudissement. Ce montant va permettre l'agrandissement et ou la construction de 3 écoles pour la commission scolaire des Amars et de 3 écoles pour la commission scolaire des Affluents. Cet important investissement permettra l'ajout de 49 classes et d'un gymnase à la commission scolaire des Amars, incluant la construction de 2 écoles primaires. Donc, pour la commission scolaire des Amars, on a une nouvelle école primaire ici à Saint-Lin qui, elle, va avoir 30 classes régulières et 5 classes de préscolaire pour un investissement de 18 millions. 18 millions. Ce qui fait la deuxième plus grosse école de la commission scolaire des Samars. Les deux plus grosses écoles de la commission scolaire des Samars se retrouvent ici à Saint-Lin. Monsieur le maire, vous avez une population très jeune, occupez-vous-en bien. Je ne suis pas inquiète, vous allez le faire. Il va y avoir aussi une nouvelle école primaire à Sainte-Julienne où on va retrouver 2 classes pour le préscolaire et 12 classes pour l'enseignement régulier. Et un agrandissement de l'école Notre-Dame à Saint-Roch-de-la-Chigan, où on va ajouter 1 gymnase. Donc, évidemment, si on veut que nos jeunes soient en forme, il faut avoir des équipements à la hauteur de leur aspiration. Donc, le total pour la commission scolaire des Samars, on parle de 28,6 millions de dollars d'investissement pour les 3 projets au total.
ça démontre vraiment le boom démographique qu'on vit dans le 450. Donc, je suis très fière d'être la ministre responsable de cette belle région et de voir qu'on aura des belles écoles où nos enfants pourront aller, qui seront heureux de voir ces établissements-là. Et je suis convaincue que lorsqu'on a des belles écoles, on a des élèves qui sont heureux, on a des professeurs qui sont heureux, ça donne des parents qui sont heureux aussi. À Saint-Lin, le projet d'école ici, c'est un projet qu'on travaille depuis le début que je suis ministre responsable de la région. Le travail de terrain qu'on a fait avec M. le maire pour l'établissement de l'école, là où elle est présentement, on est vraiment très heureux que nos efforts ont enfin porter leurs fruits. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et je suis convaincue qu'on aura des sourires chez tous nos enfants qu'on verra dans nos écoles du moment qu'ils sont construites. Merci beaucoup. Vous avez un maire heureux aujourd'hui, mais vous en avez un devant vous et je suis plus qu'heureux. Enfin, j'en rêvais de savoir cette annonce-là. On a travaillé extrêmement fort pour avoir l'école construite dans cette place-là et j'en suis très fier. Un, pour les gens de chez nous. Enfin, on va avoir une école digne de ce nom pour les gens de chez nous. On en parle souvent. Une région se développe par plusieurs choses, mais une chose, c'est par l'éducation. Et ça, j'y crois énormément. Fait que merci à tous les gens qui ont travaillé énormément fort là-dedans, autant la commission scolaire de Samar, la ministre responsable, les gens de chez nous, le conseil de ville a travaillé extrêmement fort. Et je le dis encore aujourd'hui, je suis extrêmement heureux d'avoir une école chez nous de cette grandeur-là. Merci beaucoup. Et je ferai une petite aparité pour Mme Thériault. On a travaillé plusieurs fois dans d'autres dossiers, que des dossiers qui traînaient en longueur. Mais je peux vous dire, c'est une femme de terrain, c'est une femme de passion, et elle emmène ces choses à terme. Autant M. Pierre-Luc Belrose, je vais en mentionner, M. Pierre-Luc, qui travaille énormément fort aussi pour nous. Donc, merci beaucoup d'être présent chez nous. Merci, merci et encore merci. Et je voudrais lancer un message à tous les gens qui pensent que des fois, les choses sont complexes, ça peut être une montagne, mais ensemble, on va beaucoup plus loin que seul. Donc, merci d'avoir été ici présent. Croyez en tant que politicien, en tant qu'élu. Si vous croyez, vous avez des convictions, qu'il y a des choses qui doivent être faites pour les gens de chez vous, mais amenez-les à terme. Et je vous dis, les gens de chez nous, avec ce qu'on va faire là, au sud de la ville, l'école va être construite à la bonne place pour les gens de ce secteur-là. Ils vont avoir une qualité qu'ils n'ont pas depuis plusieurs années parce qu'on a eu un énorme boom démographique chez nous. Ensemble, on a réussi à trouver un partenariat clair, net et précis et l'école va être là, au sud de la ville. Donc, merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. C'est avec bonheur que nous accueillons cette annonce d'investissement de plus de 28 millions de dollars pour la construction de nouvelles écoles et l'ajout d'un gymnase d'école primaire sur le territoire de la Commission scolaire de Samar. Au cours des dernières années, le nord de Lanaudière a connu une augmentation du nombre de nouveaux résidents et par conséquent une augmentation de la clientèle scolaire. La municipalité de Saint-Lin-Laurentide s'avère un exemple éloquent avec ces nouveaux développements résidentiels qui ont transformé le paysage de cette municipalité en moins de 5 ans. Déjà, la municipalité de Saint-Lin-Laurentide peut se targuer de posséder la plus grande école primaire de la Commission scolaire des Samars, soit celle de l'école de l'Aubier, qui compte près de 800 élèves. Et je tiens à préciser qu'à cette école, il était au départ une école de 14 classes. Nous avons ajouté 21 autres classes il y a moins de 4 ans, et avons accueilli de nouveaux élèves à cette école dès le mois de septembre 2013. 4 ans plus tard, nous construisons une autre école primaire de 35 classes, toujours à Saint-Lin-Laurentide, afin d'accueillir plus de 700 élèves dès le mois de septembre 2018. Je crois que le nombre parle d'eux-mêmes. Notre milieu scolaire connaît une croissance démographique fort importante au primaire. Il en est de même pour le secteur de Sainte-Julienne, qui verra une nouvelle école primaire de 14 classes accueillir des élèves dès le mois de septembre 2017. Le nouveau gymnase de l'école Notre-Dame de Saint-Roch-Lachigan sera également accessible aux élèves dès le mois de septembre 2017. Les services de notre commission scolaire sont à pied d'œuvre afin de mener à bien ces projets d'importance. Madame Thériault, comme vous le constatez, nous sommes dans l'action pour offrir le meilleur environnement à nos élèves et nous vous remercions de cette aide gouvernementale.
Soyez assurés que nous poursuivons les analyses afin de vous transmettre les besoins du nord de la Naudière en vue d'offrir des milieux de vie attrayants, stimulants et modernes, sains et sécuritaires, car comme vous l'avez si bien dit, un environnement scolaire de qualité favorise la réussite éducative. Merci beaucoup.